Donnez-moi. Voilà. Je l'ai raté. Donnez-moi. C'est personnel. C'est personnel. Mademoiselle, qui vous a écrit cette lettre? Monsieur Yangala, qui est ma petite sœur. Il a dit que je lui donne ça. Mademoiselle, qui vous a donné cette lettre? Monsieur, c'est la dictée. Une dernière fois. Si vous ne me donnez pas la bonne réponse, vous serez traduit au conseil de discipline. Qui vous a donné cette lettre? Monsieur Satan, la main. Parle fort, c'est quoi? Atamana! Donc ce qu'on fait là-bas au tableau ne vous intéresse pas. Monsieur, ça m'intéresse. Et vous lisez une lettre d'amour, n'est-ce pas? Monsieur, ne le lisez pas. Passez devant. Monsieur Atamana, vous ne connaissez même pas que c'est un petit exercice là-bas au tableau. Mais vous, voilà, vous écrivez carrément une lettre d'amour, n'est-ce pas? Monsieur d'amour. Vous êtes traduit au conseil de discipline tous les deux. À la fin de la journée, vous allez partir chez le surveillant général prendre une sanction. Ouais. Est-ce que vous avez compris? Monsieur. La belle et la belle. Malika. Vous osez qui a fait quand je parle? Toujours en train de faire les manières. Elle est arrivée. Vous êtes radio comme c'est une discipline comme les deux précédents. C'est bon pour toi. Maman, c'est ton arrivée ou bien ça ne me concerne pas? Ça ne te concerne pas. Ok. Maman, je suis là au début. Ah bon, hein? Je suis choquée. Ah, c'est le chargeur. Voilà, vous bougez avec. À Kala, reste là-bas. Mako, nous, ce que le professeur t'a vraiment traduit. Traduit ou au conseil de discipline? Tu jouais. Oui. Et c'est parce que j'avais une ou deux fois en retard. Il me traduit. Moi, je l'emmage dans l'école. Et tu connais tes parents? En tout cas, avant de visiter, c'est en temps. J'ai les choses, tu vois un peu, non? C'est dédié. Tu as une raison. C'est tout. Asseyez-vous.
qu'il y avait dans cette salle deux individus qui ont des relations coupables, ou dirais-je, ambiguës. Connor, Atangana, levez-vous.